Racontez-moi votre histoire. Il était une fois... Un crocodile dans un conte? Non, il était une fois une princesse et un prince. D'accord, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disputent, comme papa et maman. Comme la princesse, elle est fâchée, elle rentre dans son château. Et le prince reste tout seul alors? Oui, le prince marche dans la forêt, mais il a des méchants qui arrivent. Des méchants? C'est qui les méchants? Allô? Et qui d'autre? Un voleur, et ils vont voler le prince. Oui, ils prennent le prince pour l'attacher à un arbre. Pourquoi ils font ça? Bah, qu'ils sont méchants. Ah, bah oui, je suis bête. C'est nous, parce que le prince contre le voleur, je voulais que personne ne délivre le prince. Et le prince, il a peur que le loup le mange. Il faut que quelqu'un vienne délivrer le prince. La princesse, elle s'inquiète que le prince ne soit pas revenu. Elle demande à sa fée de l'aider à délivrer le prince. Il y a une fée dans l'histoire? Oui, la fée voit que le prince a été enlevé. Alors du coup, elle fait venir les trois petits cochons. Bah les voilà, les trois petits cochons. Je croyais qu'ils étaient nuls. Non, ceux-là, c'est des petits cochons cool. C'est des petits cochons qui savent se battre. Ils vont affronter le loup et le voleur. Oui, ils redemandent d'aller à la recherche du prince. Alors les petits cochons se mettront en route pour aller sur cette prince. Donc, sur la route, ils passent devant la tanière d'un dragon. Un dragon? Mais c'est horrible! Oui, sauf que les trois petits cochons n'ont pas vu le dragon. Quand ils passent devant le dragon, ils se réveillent. Ils trouvent que ça sent bon le jambon, les trois petits cochons. C'est pas très malin tout ça? On a pensé des trois petits cochons. Les trois petits cochons sont en courant. Il a fait le mal le dragon qui entend plus suivre les trois petits cochons. Elle dit à la princesse. Comment elle voit ça? Bah, elle a des pouvoirs magiques. Ah oui, je suis bête, pardon. Bah, du coup, la princesse, elle demande de l'aide à un petit chaperon rouge pour aider à rattraper les dragons. Et trois petits cochons. Il y a aussi le petit chaperon rouge? Bah oui, ça compte. Donc, du coup, la fée, la princesse et le petit chaperon rouge courent pour rattraper le dragon. Ah oui, le chaperon rouge, il a même pas peur de combattre le dragon. Bah non, pas besoin de se battre. Bah la fée, elle a une baguette magique, voyons. Oui, c'est juste à le rendre gentil. Et qu'est-ce qu'il va faire, tout ce petit monde? Je sais pas. Ils comprennent tout un câlin. Oui, et tous ensemble à la bagarre. Oh non, pas encore la bagarre. Dis donc, vous n'auriez pas oublié quelqu'un? Bah oui, le prince, il attend toujours qu'on le libère. En plus, le loup, il a envie de le manger. Yam yam. Et le voleur, il veut le vendre pour avoir des pièces d'or. C'est diabolique. Mais pas de panique, les sauveurs arrivent. Mais il leur faut un plan pour les sauver. Bah oui, ils ne peuvent pas se jeter comme ça dans la gueule du loup. Les trois tout petits cochons et la fée, ils peuvent attaquer le loup. Et pendant ce temps,
Le petit chaperon rouge ramène le dragon pour brûler les fesses du voleur. Et qui s'occupe de délivrer le prince alors? Bah, la princesse et tout le monde pour délivrer le prince. Ah!